je suis pas content. Il y a la première lettre de l'alphabet qui a encore essayé. Oui, la première lettre de l'alphabet, elle a essayé. Bah, attentat. Quoi? Ah, mais vous aurez pas mieux. Non, vous n'aurez pas mieux. Comment je fais, moi? Je bricole ça pendant la nuit. T'es marrant, toi, j'apprends le truc, j'y vais. Mais attends, 5 jours! 5 jours entre deux attentats, dernière vidéo, on en parle, là, on va en reparler. Je veux dire, comment je fais pour trouver des vannes originales, moi? Normalement, un humoriste, ça parle 3 fois dans sa vie des attentats et c'est marre. Et encore, s'il a pas de bol. Là, c'est toutes les semaines! Comment on fait pour faire le boulot? Déjà qu'avec le confinement, là, on n'a pas le droit d'être sur les planches. Mais si en plus, faut recycler les mêmes vannes sur des sujets sordides tous les 4 jours parce que vous n'êtes pas foutu de faire votre boulot, la profession risque de disparaître. Hein. À ce rythme-là, dans 2 ans, on va avoir des gens qui vont aller voir des spectacles d'humoristes qui vont se dire: Ah putain, j'ai vu un petit jeune là. Il n'a pas parlé de pandémie. Il n'a pas parlé de décapitation. Il nous a parlé de ses vacances au ski. J'avais jamais vu ça comme c'est original. Ça, c'est subversif. Donc, bien évidemment, nous ne reparlerons pas pendant 1 heure des millions de personnes qui ont apporté leur soutien, leur solidarité et des dizaines de milliers de connards qui sont venus justifier ces actes-là ou jouer la carte du nombrilisme communautaire en ne parlant que d'eux-mêmes et en insistant sur les ravages de l'islamophobie qui, une fois de plus, vont sévir en France. Et on ne parlera pas non plus de ma team préférée, vous savez, la fameuse team, il n'y a aucun rapport mais je t'emmerde, hein, qui ont saisi une fois de plus l'opportunité de cet événement pour parler de leur cause personnelle qui en règle générale n'a aucun rapport. Hein. D'ailleurs du coup François, oui François, allô, tu sais, on s'était foutu de ta gueule l'année dernière parce que tu nous disais depuis 2012 au moins 1122 personnes sont mortes de violences conjugales en France, vous avez plus de chances de mourir tué par votre conjoint que par un terroriste. Donc du coup je voulais te demander, est-ce que c'est toujours valable avec les nouvelles statistiques du terrorisme qu'on a en ce moment? Bref, rien de nouveau sous le soleil, il y a toujours un gros paquet de fils de pute en France, à commencer par ceux qui sont au gouvernement. Ah et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de ça, alors qu'ici, la réaction d'Emmanuel Macron, je veux dire, il y a eu un truc, puisque lui aussi, du coup, il a plus que 5 jours pour préparer les punchlines, je veux dire, à un moment, pour se renouveler, ça va être compliqué. Parce que la dernière fois, c'était quoi? C'était, ils ne passeront pas. Donc là, il a dit quoi? Nous ne céderons rien. D'accord, donc c'est moins optimiste, hein, quand même, hein. Parce qu'au début, c'est, ils ne passeront pas. Bon, semaine d'après, c'est... Nous ne céderons rien. Puis tu vois, il y a de plus en plus un petit côté Paul Reynaud en 1940 dans tes discours. Je te jure, ça commence à se voir à l'œil. Hein. Donc du coup, en attendant, dans 3 semaines, l'armistice et le « bon, bah faudra peut-être essayer de vivre avec », le gouvernement tente quand même des trucs. Ouais, Gérald Darmanin, là, non, il est à fond, il est révolté, il est sur le coup. Le fondamentalisme, vous savez, ou la radicalisation qui se repère comme la façon littérale au texte, hein, elle est trop présente désormais. Les officines islamistes sont trop nombreuses. Les financements étrangers sont trop importants. Et puis on voit bien les actes meurtriers. Combien d'attentats faudra-t-il encore pour que certains se réveillent? Quoi? Comment ça, combien d'attentats faudra-t-il encore avant que certains se réveillent? Mais je te demande, justement, parce que c'est à toi de te réveiller. C'est ton travail. C'est à toi, au bout d'un moment, de te bouger le cul. T'es ministre de l'Intérieur. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, ils sont au courant du boulot qu'ils font ou c'est genre juste un truc de com' jusqu'au bout? Après, attention, hein, je veux dire, il faut pas voir le verre à moitié vide. Hein. Non, essayons de positiver. Peut-être que cette fois-ci, ce sera différent parce que là, je veux dire, le contexte n'est pas pareil. Ah ben non, parce que Vigipirate, ça n'avait pas marché. Bon, ok, Vigipirate Écarlate, ça n'avait pas marché. Vigipirate Écarlate renforcé, ça n'avait pas marché. Vigipirate Écarlate renforcé et étendu, ça n'avait pas marché non plus. Vigipirate Écarlate renforcé et étendu plus état d'urgence, ça n'avait pas marché. Vigipirate Écarlate étendu et renforcé plus état d'urgence plus couvre-feu, ça n'a pas marché. Mais peut-être que Vigipirate Écarlate étendu et renforcé plus état d'urgence sanitaire plus couvre-feu plus reconfinement, peut-être faire des miracles. Et puis c'est pas pareil, il fait des trucs, Gérald. Je veux dire, Barack City s'en est occupé. Le CCIF, là, bon, bah, ils sont en train de vendre les broches à kebab, ils ferment les locaux. Je veux dire, il n'y a plus personne. Là, c'est fini, CCIF. Maintenant, heureusement, dans le débat public, eh ben, les interventions sont faites par des musulmans modérés, hein, ceux du CFCM, justement, le Conseil français du culte musulman. Et ça, c'est bien. C'est compliqué, hein, quand même. Je vous avoue que moi-même, j'ai du mal à comprendre exactement votre ligne parce qu'elle est compliquée. Vous voulez à la fois dire, bon, bah, c'est le droit français, donc on le respecte, on le laisse faire et on soutient notre pays, la France. Mais quand même, vous nous dites, oui, mais enfin, cachez-les, quoi. Si vous pouvez les cacher, les caricatures, ça serait mieux, quoi. Il y a des moments où on est obligé de renoncer à certains droits. Pas par traîtrise, bah, par ça veut dire qu'ils ont gagné. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Non, madame, ça veut dire nous avons gagné. Non, il ne va pas la faire. Non, pas forcément. Je pense que... Il faut un travail pédagogique des deux côtés.
On ne peut pas non plus ignorer une situation de cette nature. Je pense que nous devrions être, en même temps, défendre nos droits, les droits qui sont inscrits dans notre Constitution, mais en même temps aussi tenir compte que certains droits, nous pourrions y renoncer par moment, d'une façon proportionnée, pour que la fraternité puisse s'exprimer dans notre pays. Alors, ça ne fait pas plaisir à entendre, ça ? On censure ? Oui, mais au nom de la fraternité, pas au nom de l'intégrisme religieux. Tu la sens bien, la différence ? Sinon, au même moment, plusieurs autres attentats ont eu lieu la même journée en France. Hein. En Arabie Saoudite, attaque au couteau d'un consulat de France. Et puis, à Avignon, des policiers attaqués, le terroriste abattu. Petite originalité pour cette saison 17. Alors vraiment là, les scénaristes, c'est vraiment cool de réussir à se renouveler parce qu'on avait eu un petit passage à vide, là, comme dans South Park, et vous avez réussi à remettre des pitchs qui nous changent un petit peu puisque l'individu s'est réclamé de génération identitaire. On est donc passé des larmes au soft porn puisque la moitié de la gauche française a joui. Quant à génération identitaire, ils ont répondu. On a dû le voir, un individu a été abattu ce matin à Avignon par la police car il s'était montré menaçant. Une arme blanche à la main. C'est malheureusement le type d'agression qui arrive tous les jours en France, puisque ce sont 120 agressions à l'arme blanche qui sont enregistrées à l'égard des Français. Néanmoins, pourquoi les médias s'y intéressent particulièrement aujourd'hui ? Parce que cet individu avait le malheur de porter une veste Defend Europe, veste que nous portions lors de notre opération dans les Alpes en 2018 et que nous vendons sur notre site internet. Génération identitaire n'a rien à voir avec ce fait divers au contour encore très flou. Par ailleurs, cet individu n'a jamais milité chez nous et personne ne le connaît. Par ailleurs, le procureur a déjà affirmé qu'il s'agissait d'un individu déséquilibré. Oh non ! Ah non, alors ça c'est minable ! C'est complètement minable ! À chaque fois qu'il y a l'équipe d'en face qui dit « c'est un déséquilibré », que BFM, Christophe Barbier, ils disent « vous êtes les premiers à vous foutre de leur gueule », et là, quand vous faites pincer les doigts dans la merde, c'est « ah non, déséquilibré, il est déséquilibré ». Ah non, je suis désolé, là, je pousse un coup de gueule. Je suis désolé, mais parler de déséquilibré pour un terroriste quand on est blanc en 2020, c'est de l'appropriation culturelle. Quant à la pensée d'extrême droite, ça ne l'empêchera pas de continuer à se répandre et elle a profité une fois de plus de ces événements pour déverser son idéologie, son idéologie réactionnaire, son idéologie paternaliste. Vous la connaissez, cette idéologie, celle qui reproche toujours aux immigrés de ne pas être assez respectueux envers la France, France vis-à-vis de laquelle ils auraient une dette, France à laquelle ils devraient tant. Aujourd'hui, nous allons manifester, on va dormir par terre pour dire que non, ça suffit, ça suffit. Ça ne peut pas se passer comme ça. Pourquoi ces gens-là, on ne les met pas à la porte? Pourquoi ces gens-là, ils ne rentrent pas chez eux? Mais ils font ça en France. Pourquoi? Pourquoi la France, qui nous a tout donné, il nous a ouvert la porte? Il y a nos compatriotes qui sont dans nos pays. Ils se donnent, ils prennent des bateaux, ils font n'importe quoi pour arriver en France. Ils meurent même sur la route. Et nous, on est en France, on a la belle vie, et on fait, c'est ça, les remerciements. Dites-moi là. C'est vrai, hein? Madame, on a prié pour venir en France. Quoi? Ah non, je suis désolé. Je suis pas content TV. Quand on critique le discours de l'extrême droite, on n'oublie pas pour autant la représentation des minorités. C'est ça, le progrès. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Et en ces périodes de tension communautaire, il est plus que jamais nécessaire, je le crois, de remercier ceux qui, parmi nos amis, mais surtout nos ennemis, ont réussi à faire une trêve, à enterrer temporairement l'âge de guerre pour nous adresser leurs condoléances. Et je voudrais donc féliciter tout spécifiquement le président de la Turquie, Erdogan, qui a condamné unanimement ces attentats et également comparer le traitement des musulmans en Europe à celui des juifs avant la Seconde Guerre mondiale, accusant les dirigeants européens de fascisme et de nazisme. C'est beau ce qu'il a fait quand même. Ah non, je suis désolé là, je veux dire, le mec fait un pas vers nous. C'est de l'ouverture. Je veux dire, pour lui, c'était beaucoup plus simple de pas se faire chier la bite et de parler de, de la persécution des Arméniens en 1915. Non, là, bon, il s'emmerde, le mec. À prendre un exemple qui nous parle, à nous les Français, que l'on comprend. Franchement, vous n'êtes pas ouverts. Je suis pas content.